Le 23 juillet 1927, à minuit, se produisit un événement étrange à l'École nationale professionnelle d'art, l'ENPA, à Wangfujing, en plein centre de la ville de Beiping. Pendant que les cigales chantaient dans la fraîcheur nocturne en plein été, les gens dormaient profondément. Mais à cet instant, une silhouette maigre sortit précipitamment du portail de l'école dans les ombres de la nuit. À quelques pas de l'entrée de la ruelle, plusieurs jeunes gens, des étudiants semblait-il, attroupés autour d'un pousse-pousse, attendaient avec impatience. Quand ils virent l'homme courir vers eux, ils l'aidèrent immédiatement à monter dans le pousse-pousse. Le porteur se mit alors à foncer dans la rue déserte. Très vite, le pousse-pousse disparut dans les ténèbres de la nuit. Personne n'aurait imaginé que ce personnage mystérieux qui fuit l'UNPA pourrait être le grand artiste Lin Fangmian, qui eut fait sensation quand il rentra de la France pour la gloire d'un an et demi auparavant pour assumer la présidence de l'école, l'unique et plus prestigieux établissement d'enseignement supérieur de l'art du pays. Un an plus tôt, il résidait à Paris, capitale mondiale de l'art. Quand Lin Fangmian reçut l'invitation solennelle du ministre de l'Éducation, qui apprécia son talent hors pair et attendit beaucoup de lui, à devenir le plus jeune président d'une école d'art dans le monde, il voyait sans doute là un avenir radieux. Or, il n'aurait jamais imaginé que sa carrière de président de l'école, après son retour au pays, pourrait avoir une durée si courte et prendre fin dans des conditions si déplorables. Paris, capitale de la France, ville romantique grâce à son accrétion culturelle et artistique, Paris doit sa romance à son fond artistique unique au monde. Le quartier latin sur la rive gauche de la Seine est bien une telle terre bénite de l'art. L'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, au bout de la rue Bonaparte, mène chaque fois le mouvement temporel dans le monde de l'art depuis quelques 300 ans. En septembre 1921, le garçon Lin Fangmian sortit pieds nus dans sa région natale montagneuse de Meizhou, après un long voyage et une halte à Dijon, entra enfin dans cette école d'art du plus haut niveau du monde. Dans cette photo, celui qui est au milieu est Lin Fangmian. Derrière lui, ce sont Lin Wenzhang et Li Jinfa, qui deviendra la sommité de la sculpture en Chine. Ces trois jeunes hommes, tous issus du lycée de Meizhou, furent admis aussi en même temps à l'ENSBA de Paris. Animés d'un idéal commun pour l'art, ils furent voués à écrire une page hors du commun dans l'histoire des beaux-arts modernes de la Chine.
En Europe, il y a un siècle, le courant de l'art pictural eut imperceptiblement évolué du réalisme classique au modernisme en passant par l'impressionnisme. Hormis les matières de base prévues dans le programme d'enseignement dans certaines écoles d'art, les artistes renoncèrent tous à la mode d'expression du classicisme qui prônait le réalisme rigoureux et la copie exacte sur le sujet depuis le début de l'ère moderne, au profit du moyen d'expression artistique qui tente d'exprimer librement l'image subjective. Au moment où l'infomienne débarqua à Paris, le fauviste Matisse et le cubiste Picasso gagnèrent la popularité dans les milieux artistiques en France, devenant les étoiles les plus convoitées de leur temps. Quel chemin l'infomienne choisirait-il, lui, aussi assoiffé de l'art occidental pour lequel il vint en Occident? Un an après son entrée à l'ENSBA de Paris, Lynn passa à une école d'études française à Fontainebleau, première étape de son arrivée en France, puis 6 mois plus tard à l'Institut des Beaux-Arts de Dijon. Grâce aux maigres revenus qu'il gagna en tant que peintre, il commença à signifier à l'art pictural. Dans le studio du président Ovid Jansès, l'infomienne acquit le double enseignement de l'art et de la pensée moderne occidentaux. Sa compréhension de son concept de l'art changèrent fondamentalement. L'art ne fut plus l'album de modèles de peinture du jardin Dieze ou des images occidentales qu'ils eurent adorées dans son enfance, mais l'imagination et la réflexion sans contrainte. Stupéfait par le don unique de l'infomienne pour la peinture, Ovid Jansès décida de lui offrir une chance. Voici la liste des élèves inscrits au studio du président de l'ENSBA, Fernand Cormon. Le numéro 1629 est attribué à l'infomienne. Il fut inscrit le 26 mai 1921. Parmi les élèves chinois que ce grand maître académiste français dirigea, à part l'infomienne, il y eut aussi le fameux Suberong, aussi appelé Jupéon en France. Su choisit d'apprendre la technique picturale réaliste du classicisme. Sous la direction du professeur, l'infomienne s'engagea dans la voie moderniste. À l'époque, Fernand Cormon n'aurait peut-être pas pensé que ces deux élèves exerceront des influences considérables sur le développement artistique de leur pays. Dans les années 1920, l'infomienne eut beaucoup de chance. Après son admission à l'ENSBA, il n'eut plus besoin d'endurer les exercices techniques mécaniques de longue durée. Ce que l'art dominant recherche, c'est d'insister sur la perception subjective et l'expression libre de la personnalité. Pendant qu'il observait continuellement et pratiquait les exercices, il parvint enfin à comprendre le langage pictural moderniste. Dans l'œuvre de l'infomienne, on put profondément sentir l'influence sur lui des arts modernistes européens, comme l'impressionnisme, le fauvisme et le cubisme. Sa recherche d'un style artistique personnel débuta bien à cette époque. Un an plus tard,
quand Lin Fanmien montra ses peintures à l'ancien directeur Yanses, spécialement venu à Paris pour lui rendre visite, ce dernier, très mécontent, le critiqua sévèrement. « Tu es un Chinois. Sais-tu combien l'art chinois est riche en traditions précieuses? Comment peux-tu ne pas bien l'étudier? Vas-y, sors de l'ENSBA, va au musée Guimet. » Le musée Guimet est le musée national français des arts asiatiques. « Et va au musée de la porcelaine. Va puiser dans ses riches mines. » Dans ces musées, il vit pour la première fois de sa vie des chefs-d'œuvre de porcelaine et de peintures antiques. Il en fut très ému. Fasciné par le charme hors du commun de l'art traditionnel chinois, il s'exclama des années plus tard « J'ai honte de dire qu'en tant que peintre chinois, à l'époque c'est un professeur étranger qui m'a incité à étudier l'art traditionnel chinois. » L'ENSBA se situe dans le fameux quartier latin. À l'époque, le loyer était très bon marché. C'était un ghetto pour artistes démunis dans les bas-fonds de la société venus du monde entier. Ces hommes de nature optimiste, libres de toute contrainte, firent peu de cas des conditions matérielles. Ils étaient passionnés d'art, bienveillants et très simples. Lin Fanmien décrira plus tard sa vie de l'époque dans ces termes. « Je travaillais du matin au soir dans le studio, comme 5 ou 7 autres camarades. Nous n'épargnions aucun effort, spécialement dans la peinture occidentale et l'harmonisation des arts chinois et occidentales. » C'est dans cette ambiance artistique et ce mode de vie qu'il développa l'idée de quérir l'art pur. Si l'étudiant Lin Fanmien, en séjour d'études en Occident, put réaliser beaucoup de succès dans l'art, ses acquis étaient non seulement dans le domaine artistique, mais il récolta aussi un amour profond. Cette femme sur la photo s'appelait Elise von Roda, une descendante de la noblesse allemande. En 1923, à l'invitation des amis, Lin Fanmien vit en Allemagne pour eux, pour visiter et peindre d'après nature, dans le cadre d'un voyage d'études d'un an. Une fois, quand il changea de l'argent dans une banque, il rencontra cette étudiante de la faculté de chimie de l'université de Berlin à l'époque, et ce fut le coup de foudre. Durant cette période, quand les autres camarades sortaient pour peindre d'après nature ou visiter, Lin Fanmien se promenait souvent main dans la main avec son amour dans les rues de Berlin, fréquentait musées et théâtres, assistait aux concerts de Mozart, Van Beethoven, Robert Schumann ou encore Jacob Ludwig Felix Mendelssohn, Bartholdy. Ce fut un moment d'amour comme dans un rêve. C'est von Roda qui l'introduisit à la musique classique européenne. Dès lors, la musique devint le hobby de Lin durant le reste de sa vie. Un an plus tard, depuis 1924, marié, il retourna à Paris avec sa femme. Pendant qu'une vie heureuse commençait à peine, contre ses attentes, un malheur le plongea dans la douleur insupportable. Un an après son mariage, von Roda fut enceinte. Le jeune couple plongeait dans la belle perspective de la vie future. Or, nul n'est prophète en son pays. Peu après l'accouchement, la femme fut atteinte d'une grave fièvre puerpérale et mourut peu de temps après. Et le nouveau-né s'en alla aussi avec sa mère. Ce drame subi frappa Lin Fanmien de plus un fouet.
Nous avons du mal à imaginer comment il put supporter cette douleur. La perte de sa femme, la plus importante dans sa vie, après celle de sa mère, quand il n'avait que 7 ans. Le savoir-faire de tailleur de pierre, qu'il avait appris auprès de son grand-père, fut utilisé pour façonner une pierre tombale, pour sa femme et pour son fils décédé. Quoique l'infirmière ne fût pas sortie de l'ombre de la perte de son amour, un an plus tard, des amis servant d'intermédiaire, il épousa une camarade de la faculté de sculpture de l'Institut des Beaux-Arts de Dijon. Cette femme s'appelait Élise Vadan. Bien que le couple ne fût jamais désuni, ils vécurent rarement ensemble durant la longue vie postérieure. À cette époque, intégrée complètement dans la société locale, l'infirmière aurait pu choisir d'être peintre étranger résident pour mener une vie tranquille avec sa femme. Mais l'apparition d'une personne troubla totalement la sérénité de sa vie. Le 21 mai 1924, la première exposition des Beaux-Arts de Chine fut inaugurée dans le Palais du Rhin, à la place de la République, à Strasbourg, Allemagne, et fit sensation. À cette manifestation, Lin Fangmian présenta le plus d'œuvres, au total 42 peintures, soit 14 peintures à l'huile, dont Méditation, Tâtonner, et 28 peintures en couleur à l'encre. À l'époque, sur la base de l'art moderniste d'Europe et des arts appliqués antiques de Chine, Lin Fangmian eut déjà donné la forme essentielle à son art, harmonisant les arts chinois et occidentaux. Un journaliste de la revue Orientale de France le qualifia de premier peintre étudiant chinois séjournant en France. C'est aussi lors de cet événement qu'il rencontra le ministre de l'Éducation du gouvernement Beiyang, la grande célébrité Tsai Yuanpei. À l'époque, Tsai séjournait à Strasbourg. Ce ministre de l'Éducation, œuvrant à réformer le système éducatif traditionnel du pays à l'aide de la culture occidentale, recherchait des talents pour la cause de l'éducation de la patrie. C'est lui qui chargera le destin de Lin Fangmian. Cette exposition donna une très profonde impression à Tsai Yuanpei sur Lin Wenzhang et Lin Fangmian. Il donna l'essai de Lin Wenzhang sur les beaux-arts à sa fille William Tsai. Étudiante en beaux-arts, elle la maria plus tard à ce jeune homme talentueux. Quant à Lin Fangmian, il attendit encore plus de lui. Quelques jours plus tard, guidé par Lin Wenzhang, le couple Tsai Yuanpei rendit visite à Lin chez lui, exprimant son intention de l'inviter à assumer la présidence de l'École nationale professionnelle d'art de Beiping. Tsai passa 3 jours chez lui et lui laissa 3000 francs avant de partir. Lin Fangmian fut ravi de l'appréciation, de la confiance et de l'arrangement de la part de Tsai Yuanpei en sa faveur. Il pourrait enfin rentrer au pays et réaliser sa grande ambition. En 1926, cet homme, qui eut quitté la patrie pendant 9 ans, se mit en route pour rentrer avec sa femme française peu après son mariage. Mais il ignorait que ce ne fut qu'un nouveau début de la vie durement éprouvée. À Beijing, le printemps arrive toujours de façon soudaine. Pendant qu'on n'est pas totalement habitué au changement du temps froid au temps doux, en une nuit, la ville est devenue océan de fleurs épanouies. 88 ans auparavant, ce fut bien le temps qui s'offre sous nos yeux présentement. Omniprésente, caressée par le vent doux printanier, Lin Fangmian, qui avait 26 ans, arriva à Beiping, avec son ambition et son idéal artistique.
Ici, c'est la fameuse rue Wang Fujing à Beijing. Il y a environ un siècle, en face de l'actuel hôpital Cireux, Concorde à l'époque, ce fut l'unique et la plus prestigieuse institution d'enseignement supérieur du pays dans le domaine artistique. Ce bâtiment est son ancien site. À l'époque, le nom exact fut l'École nationale professionnelle d'art de Beiping. En 1928, l'établissement fut rebaptisé et prit le nom en forme contractée ENPA de Beiping. Le 5 mars 1926, Lin Fengmian prit officiellement fonction de directeur de cette école. Dès lors, il devint le plus jeune chef d'une école d'art dans le monde jusqu'à ce jour. Aux yeux de Lin Fengmian, à l'avenir, l'ENPA sera une ESBA de Paris en Orient. Il voulait copier la structure des académies européennes des beaux-arts et leur système d'enseignement pour forger cette ENPA en un palais de l'art de niveau international. C'est avec la grande ambition de servir la patrie que Lin Fengmian se mit immédiatement en route après avoir reçu la lettre d'engagement. Jusqu'à son départ, Tsai Yuanpei ne l'eut toujours pas prévenu que l'ENPA fut déjà devenu depuis longtemps un fourbi agonisant. En fait, en raison de la lutte particulièrement acharnée entre la faction conservatrice dévouée à la tradition et la force réformiste des anciens étudiants revenus du Japon et de l'Europe, les directeurs successifs de l'établissement eurent fini tous par démissionner. Or, pour Lin Fengmian, naïf et romantique, cette école, quelle que fût sa situation présente, serait le meilleur terrain pour réaliser son idéal artistique. Arrivé à l'ENPA, il commença aussitôt non seulement à reconstituer le corps professoral, mais aussi à créer des facultés de musique, de théâtre et de sculpture, alors que lui-même assuma en même temps les fonctions de professeur, de directeur des enseignements et aussi de doyen de la faculté de peinture occidentale. Peu après, il publia son article « Remarques sur les perspectives des arts orientales et occidentales » dans lequel, en se basant sur l'analyse des questions comme la genèse de l'art, les différences fondamentales des arts orientales et occidentales, etc., il formula officiellement la thèse de l'harmonisation des arts orientales et occidentales en vue de frayer une nouvelle voie entre la renaissance des arts orientaux et l'harmonisation des arts orientaux et occidentales.所以他后来就是说，在创立国立艺专的时候，他是在教学上面也体现一个中西融合的。那么他26年的那批中西艺术之前途呢，主要的讲了一个什么呢？就是中西艺术，它各有所长，也各有所短，就是中西艺术正好是一个互补关系。 En tant que l'une des mesures concrètes pour harmoniser les arts orientaux, Lin Fengmian invita non seulement Ti Baishe, à l'époque un campagnard, à venir enseigner, mais aussi le peintre français André Clodo, a assumé la chaire de peinture à l'huile. Il espérait que les peintures populaires de style traditionnel de Ti Baishe et les peintures impressionnistes de style nouveau de Clodo pourraient insuffler à l'éducation de la peinture en Chine et former à partir de là de nouvelles forces. L'année 1927 fut vouée à être une année hors du commun dans l'histoire de la Chine. Après la mort de Yuan Shikai, à l'issue des conflits pendant 10 ans entre seigneurs de la guerre de Beiyang, celui de Feng Tian, Zhang Zuolin, conservateur hostile à la démocratie et bourreau des révolutionnaires, domina enfin l'arène politique. En avril de cette année, Li Dajiao et d'autres furent massacrés. Et en juin, Zhang fut consacré maréchal des armées de terre et de mer de la République nationaliste de Chine, devenue l'autorité suprême du pays. Durant ces 2 mois tumultueux sur le plan social et politique, débordant d'enthousiasme, insensible à la situation politique périlleuse en cette période imprévisible, Lin Fengmian, ce jeune homme plein de vigueur, ce jeune directeur de l'école, qui semblait ne rien craindre, lança un grandiose mouvement artistique. «
Le 11 mai 1927, le congrès de l'art de Beiping fut officiellement inauguré dans les locaux de l'ENPA. Sur les conseils de Clodo, à l'instar du salon français, cette exposition ne fit pas distinction entre peinture et dessins orientaux et occidentaux. Quelques 2000 œuvres furent présentées au public sans être classées par genre. Ce fut la plus grande exposition artistique dans toute l'histoire de la Chine en termes de taille et de type d'œuvres présentées. L'objectif de l'événement consistait à réunir les artistes pour lancer un mouvement artistique et promouvoir la démocratisation de l'art dans la société, de sorte que le grand public pût avoir accès à l'art. Au moyen de l'exposition des peintures, de la musique et des théâtres, avec en plus des publications, des posters et des slogans apposés dans les rues, le congrès milita pour une plus grande influence de l'art. En vertu de l'acte du congrès de l'art de Beiping, Lin Fengmian mobilisa professeurs et étudiants de son école pour afficher des slogans sensationnels, appelant tous les artistes du pays à combattre sur tous les plans. Certaines œuvres fustigeaient et se moquaient de la vie politique présente du pays, ce qui exaspéra le seigneur de Fengtian, qui eut à peine pris en main le gouvernement de Beiping. Liu Zhe, ministre de l'Éducation à l'époque, critiqua publiquement le NPA en adressant des reproches sévères à Lin Fengmian. Des communistes recrutent des sympathisants parmi les étudiants. Des modèles nus sont utilisés dans l'enseignement. Il le qualifia de directeur pro-communiste, sans cacher son intention de l'arrêter et de le traduire en justice. Lin Fengmian, un lettré pur et simple, ne comprenant point la complexité de la vie politique du pays, se défendit éperdument. Furieux, Liu Zhe menaça de le tuer. Aux yeux des seigneurs dictateurs, les étudiants devaient faire l'objet de contrôles draconiens quant à leurs pensées et opinions. Le fait que Lin eût préconisé combattre pour l'art et mobiliser les étudiants pour animer différentes manifestations artistiques hors de la classe signifia une provocation contre leur politique et constitua une existence insupportable. L'initiative du mouvement artistique eut pour résultat de donner une couleur communiste à son ENPA. Dans ces circonstances, comme Lin entendit copier le modèle des universités françaises pour la liberté dans l'art, les factions antérieures au sein de l'établissement, opposées les unes aux autres, s'attaquèrent sans exception à Lin. En une nuit, le jeune directeur fraîchement débarqué devint la cible de toutes les attaques. Face à l'âpre réalité, à l'extérieur comme à l'intérieur, il comprit que les efforts consentis pour son idéal échoueraient totalement. Impuissant, Lin Fengmian fut contraint à démissionner et à partir pour le Sud. Un an et demi plus tôt, quand il avait reçu la lettre d'engagement à Paris, il n'aurait jamais pu prévoir que sa carrière de directeur de l'école, après son retour au pays, se solderait par cette fin aussi déplorable.